Bonjour, je suis avec Mohamed Hassan, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre et d'apprécier dans Michel Midi sa vision des stratégies mondiales. Aujourd'hui, j'ai profité du fait qu'il est de passage en Belgique parce que c'est un vrai globe-trotteur pour la paix. Il est beaucoup plus en Afrique, au Moyen-Orient, partout. J'en ai profité pour l'interroger sur ce dont on parle beaucoup maintenant. Est-ce que les États-Unis vont attaquer l'Iran? Donc, désolé de plomber l'ambiance du lunch, mais autant voir les choses en face. Et donc, la première question que je vais poser, c'est est-ce que les États-Unis menacent d'une guerre contre l'Iran à cause d'Israël, à cause des Saouds, à cause de l'Union européenne, à cause de la rivalité avec la Russie et de la Chine? Est-ce que c'est à cause de l'arrivée de John Bolton comme ministre de Trump? Est-ce que c'est à cause de l'industrie de l'armement? Comment s'y retrouver? Well, it is a lot of it's a double war. If they wage the war, in fact, if they are insane. One is C'est une double guerre s'ils la déclenchent, s'ils sont assez fous pour la déclencher. those who are demanding for the war against Iran is in the front line is Israel. Ceux qui sont en première ligne pour réclamer la guerre, c'est Israël. Second is Saudi Arabia and Bahrain. L'Arabie Saoudite et le Bahreïn. And why they are demanding this? Because of different intervention in the region, it had failed. En fait, pourquoi ils exigent cette intervention? Parce que plusieurs interventions précédentes ont échoué, dit Mohamed. The first intervention was 2006 when the Israelis attacked Lebanon. La première, c'est quand Israël a attaqué le Liban en 2006. Then intended consequences that Hezbollah came strong, defended Lebanon and became very popular in the mind of the masses. La conséquence de l'attaque d'Israël, c'est que le Hezbollah s'est renforcé et est devenu très populaire auprès du peuple libanais. Then immediately is the Saudis thought that politically they will be dominant in Lebanon, promoting Hariri. Et alors les Saouds sont venus dire que maintenant c'est eux qui allaient dominer le Liban, et ils ont fait la promotion du Premier ministre Hariri. As you know that it is Lebanon is a very sectarian society. C'est un pays qui est fort divisé selon des clivages religieux. So the assumption of the Saudis through Hariri and the Sunnis, they can dominate Lebanon again and defeat Hezbollah. L'idée des Saouds était qu'avec les Hariri, ils allaient pouvoir dominer le Liban et infliger une défaite au Hezbollah. In alliance with France, of course, this project was injected. Un projet réalisé en alliance avec la France de Chirac à l'époque, qui était très lié à Réunion. Indeed, indeed. Oui. Probably this project also didn't succeed and finally Hariri was killed. Ce projet a échoué aussi et Hariri a été finalement tué. And they blamed Syria for that. Ils ont accusé la Syrie. And then they impose on Syria that Syrian troops have to leave from Lebanon. Ils ont imposé le retrait des troupes syriennes du Liban. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, il faut rappeler qu'au départ, le Liban faisait partie de la Syrie, qui était beaucoup plus grande, et c'est les colonialistes français et anglais qui ont divisé la Syrie. That is one, and second is because of the civil war in Lebanon in the 70s and the invitation by, in fact, by Saudi Arabia and others that it is the Syrian army to enter into Lebanon. At that moment was appreciated. Oui, et l'intervention de l'armée syrienne au Liban avait été très appréciée à cause du fait que les Saoudiens et les autres menaient la guerre civile au Liban. But now is Syria was accused as a dominant power in Lebanon and were accused that they killed Hariri and Syrian troops have to leave and they left. Et donc, on a accusé la Syrie d'avoir tué Hariri, on l'a forcé à quitter le pays, oui. Even though the Syrians have left, it is the strength of Hezbollah and the popularity of Hezbollah increased. Mais malgré le retrait de la Syrie, la popularité du Hezbollah a augmenté. And Hezbollah's maneuver and an ally with the nationalist General Aoun and so, something, it weakened the position of Saudi Arabia in Lebanon. Et comme le Hezbollah fait une alliance avec
le général Aoun, donc des forces de droite mais patriotiques au Liban, la position de l'Arabie saoudite s'est beaucoup affaiblie. And then the third project emerged. Et puis, il y a eu un autre projet. The third project emerged is what they call it the rollback of Syria and the defeat of the what they call the minority Alawite Et state. le projet suivant de ces grandes puissances a été de repousser la Syrie, de l'affaiblir, de mettre fin à ce qu'eux appellent le pouvoir de la minorité alaouite. And this is an alliance between Saudi Arabia and the Gulf and France, Great Britain and to extend to the European Union and United States under Obama. Alliance des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, des Saouds et des Émirats arabes. It have two objectives. One is that to roll back or defeat the so-called minority Alawite state and to chase away Russian military base, which is in Syria. Il y avait donc deux buts, détruire, changer le régime en Syrie et repousser la Russie de cette région. The important role which is played by the Turk and other European Union states by allowing more than 80,000 terrorists to pass through Turkey and enter into Syria. Les Turcs ont joué un rôle très important dans ce complot, en permettant à 80 000 terroristes de passer à travers leur territoire pour attaquer la Syrie. As a result of this, Hezbollah, Iran and Russia got involved in the Syrian civil war. Le résultat a été que le Hezbollah et la Russie, l'Iran se sont retrouvés impliqués dans cette guerre. And secondly, they expected that the Syrian army will melt like ice cream because it's a minority regime, but it is not true. The Syrian army became loyal, even though majority are Sunnis, and they defended their nation. Et ils espéraient que l'armée syrienne allait se liquéfier et disparaître, puisque c'était dans leur vue une armée d'une minorité, mais en réalité, bien que composée majoritairement de sunnites, l'armée est tout à fait restée fidèle et a résisté. While this war is going on, again, a revolt happened and a popular revolt in Yemen. Alors on a eu une révolte populaire au Yémen. And the political hegemony of Saudi Arabia collapsed. Et l'hégémonie régionale des Saouds sur cette région de l'Arabie saoudite s'est effondrée. Je vais regarder, j'ai une petite carte qui vous permet de comprendre de quoi on parle, et puis on va redonner tout de suite la parole. Vous voyez donc au milieu de la carte, vous avez un très très grand pays qui est l'Arabie saoudite. En dessous, vous avez le Yémen, dont on va reparler bientôt, qui est effectivement une position stratégique sur les routes maritimes qui mènent vers l'océan Indien et vers la Chine également. Oui, donc le Yémen est un And nouvel échec. of course, the invasion and the attack on Yemen also is with the same pretext that the Houthis are puppet of Iran. Et maintenant, on emploie encore ce prétexte pour attaquer le Yémen, que les Houthis seraient une marionnette de l'Iran. And with this propaganda, Yemen also is invaded. Still, the civil war is continuing. Et donc, sur base de cette propagande, le Yémen est envahi et la guerre civile continue. Of course, now those who are demanding for immediate war from the region, they are Israel, Saudi Arabia, Bahrain, to a certain extent the Gulf countries. Et donc voilà, Israël, Saoud, Bahreïn et aussi dans une certaine mesure les pays du Golfe sont ceux qui demandent cette guerre. And of course, now it is after Obama had agreed. The nuclear deal with Iran that President Trump have rejected it. Et après que Obama avait signé un accord avec l'Iran, Trump l'a rejeté. Of course, within the Trump himself probably he was making a critique of the war of Iraq and Afghanistan, and probably he is not interested deeply knowing the danger of Iran, but there are elements like John Bolton and so on, they want a war against Iran. Alors, Mohamed dit probablement que Trump, qui avait, dans sa campagne électorale avait parlé contre la guerre en Afghanistan et en Irak, disant que ça n'avait rien rapporté de bon, probablement, dit Mohamed, c'est pas Trump personnellement qui est tellement intéressé dans une guerre, mais des éléments comme Bolton autour de lui. Of course, this campaign against Iran, it have a double objective. La campagne est double contre l'Iran.
It is about 20% of energy which is going to China is coming from Iran. Il faut savoir que 20% de l'énergie, des ressources énergétiques de la Chine viennent de l'Iran. Second is India have built one of the biggest and most sophisticated gas refinery in Iran. Et l'Inde a construit ou est en train de construire yes. la plus importante raffinerie du monde. Of course, Iran have a very serious economic problem through the embargo and so on. Bien sûr, les sanctions économiques font que l'économie iranienne a beaucoup de problèmes. One of the reasons also, once Obama signed the agreement with Iran, immediately the economic contradiction came to the front. Et dès que Obama a signé l'accord avec l'Iran, on a vu les contradictions économiques revenir en force. If you recall Iranian delegation with Rouhani, the first trip he made was to Italy. Si vous vous souvenez, quand Rouhani est arrivé au pouvoir, donc il a succédé à Ahmadinejad, son premier voyage à l'étranger, ça a été l'Italie. Iranian strategists think that it's better to deal with Italian companies and Italian business people as a partner, and they have signed a very big contract with Italy. Les stratèges iraniens ont estimé que l'Italie était un meilleur partenaire et ils ont signé des contrats très importants avec ce pays. Because Italy will not impose its will on Iran. L'Italie ne va pas chercher à imposer ses vues et son régime à Téhéran. And secondly, Italy is willing to, because of its economic problem, wants to make a deal and a business with Iran. Et l'Italie a beaucoup de problèmes économiques et donc ils sont intéressés. It is a win-win situation for Italy. Situation gagnant-gagnant. As far as the plane business, it is the second trip immediately after visiting Italy, he went to France. Et le deuxième voyage, la deuxième destination du voyage de Rouhani, ça a été la France. And of course, the 100 Airbus they wanted to buy from Europeans. Les Iraniens voulaient acheter 100 Airbus aux Français. To improve their airways and so on, which doesn't have spare parts and so on, because it's an American, old American planes. Parce que ce sont les, l'Iran n'a plus les pièces de rechange pour leurs avions qui viennent des États-Unis. And a lot of other projects also with Germany. Et il y a eu également beaucoup d'autres projets avec l'Allemagne. Il faut rappeler, Mohamed, que l'économie de l'Iran, c'est pas n'importe quoi. C'est la 27e économie dans le monde, donc c'est un marché qui intéresse beaucoup de pays. On a parlé de l'Iran, Total et Peugeot aussi ont des intérêts là-bas ou veulent, ont des plans. Et puis l'Allemagne est un pays qui fait 60% du commerce de l'Iran maintenant. Il y a des commerces de la chimie, des automobiles, de la métallurgie, etc. Et donc, on a vu que quand les États-Unis ont imposé des sanctions contre l'Iran, l'Allemagne n'était pas du tout contente, déjà sous Obama. Et maintenant, il y a eu une réunion assez intéressante à Munich, en février sur la sécurité mondiale. Et là, Pence des États-Unis est venu prononcer un discours très très arrogant. Je cherche sa déclaration où il a dit que, en deux mots, voilà, les États-Unis sont plus forts qu'ils n'ont jamais été, sont redevenus le leader mondial. Et dans la même réunion, Merkel a critiqué avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup de colère, la politique de guerre commerciale des États-Unis de Trump. Est-ce qu'on est là dans une guerre économique entre les États-Unis et l'Europe? Indeed, indeed. The United States, once they signed the agreement, they thought that they will win and they will dominate the Iranian market, but it was the contrary was developed. Les États-Unis espéraient prendre le contrôle du marché iranien en faisant tout ça, mais c'était le contraire qui est arrivé. And it is the opposite. Three forces they are taking the market. One it is Russia, the second is China, the third is European Union. Et voilà, à la place des États-Unis, il y a trois forces qui dominent dans ce marché, la Russie, la Chine et l'Union européenne. And this didn't satisfy the American business people, I suppose. Et ça, évidemment, ça ne plaisait pas aux businessmen, aux multinationales des États-Unis. Est-ce que ça joue un rôle important
la bataille pour le pétrole. Les États-Unis sont à peu près autosuffisants maintenant en pétrole, tandis que l'Europe a un grand problème. Il y a toute cette propagande pour le climat, en fait, pour essayer de diminuer la dépendance au pétrole. Est-ce que ça joue un rôle important dans le conflit? No, the petrol, I don't think United States have sufficient petrol itself and so on, but it controls the Middle East petrol. What makes the dollar is because of their control of the Middle Les East États-Unis, petrol. donc, dit Mohamed, effectivement, ont eux-mêmes assez de pétrole pour eux-mêmes, mais ils contrôlent le marché du Moyen-Orient, marché pétrolier du Moyen-Orient vers les autres pays, grâce à la position du dollar comme monnaie d'échange. And of course, the other reason also that it is about 20% of energy is coming from Iran to China. Je l'ai dit que 20% de les ressources énergétiques de Chine viennent de l'Iran. And of course, the contradiction with China, which they assume that China is replacing them. Et donc là, évidemment, ce qui motive les États-Unis, c'est qu'ils en ont marre que la Chine prenne leur place. So all this is a combination that it is concentrated on Iran. Voilà, donc il y a une série de facteurs différents qui font que ça se concentre autour de la question de l'Iran. Il y a plusieurs questions stratégiques mondiales qui se concentrent là. Est-ce que les États-Unis sont en train de perdre leur leadership sur l'Europe? Est-ce qu'ils sont en train de pousser l'Europe dans les bras de Moscou et de Pékin? United States is still militarily is a very strong and economically is a very strong country. Les États-Unis restent militairement extrêmement puissants, les plus puissants. And it have an absolute domination in Europe in that sense. Et dans ce sens-là, ils dominent complètement l'Europe. Of course, economically, Europe or Germany led Europe also have an important position in the world. Bien sûr, l'Allemagne qui domine l'Europe économiquement a une position mondiale importante aussi. But the main threat now they see is China. Mais le grand danger à leurs yeux, c'est la Chine. And second is the rapprochement between China and Russia, and the rapprochement between Iran and Russia. These big areas, they consider that they are developing their own way and trying to push United States out of the region. That is a perception of United Et States. donc les Européens voient les rapprochements entre Moscou et Pékin, avec l'Iran aussi, et donc les Européens essayent de suivre leur propre voie différente, indépendamment des États-Unis. But the difference is that Iran is a very big country. Le problème, c'est que l'Iran, c'est un très grand pays. It is 70 million, an old nation. 70 millions d'habitants, une nation très ancienne. And of course, United States, through its covert operation when they overthrow Mossadegh, later on, the consequence of it is that Iranian people are very nationalist and finally. Their protégé Shah was overthrown. Alors, ce qu'il faut rappeler pour les jeunes, c'est toujours important de rappeler l'histoire qui n'est pas tellement enseignée dans les écoles, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont fait un coup d'État pour imposer leur marionnette, le Shah d'Iran, Reza Pahlavi, en 1953, et ça a donné une dictature extrêmement brutale et sanglante en Iran, et donc ça a renforcé le sentiment d'indépendance nationaliste des Iraniens. Il y a d'ailleurs un livre dont on a discuté que je vais prendre là pour ceux qui veulent approfondir ces sujets. Et celui-ci, il est en anglais, Tous les hommes du chat. Et c'est un journaliste du New York Times, Stephen Kinzer, qui, on en a parlé juste en préparant l'émission, qui explique que justement ce coup d'État très violent des États-Unis en Iran est quelque chose qui a complètement façonné le Moyen-Orient comme nous le connaissons encore maintenant, et que donc là, les États-Unis se sont démasqués. Of course, the result of that, and then finally the overthrow of the Shah, that Iran is the most important country was under the Shah for United States and Israel. Et donc avec le Shah, l'Iran était l'allié, le pion le plus important, et pour les États-Unis et pour Israël dans le Moyen-Orient. Of course, when we analyze the foreign policy of Israel, it is their her main objective is that to create an alliance with non-Arab states.
Le principal axe de la politique d'Israël, c'est d'arriver à créer des alliances avec des États non arabes. Which is, means that it is Iran, Turkey and Ethiopia. Et donc les pays qu'ils ont vraiment dans leurs ambitions, c'est l'Iran, la Turquie et l'Éthiopie. L'Iran, la Turquie et l'Éthiopie. Of course, three of them changed. The Shah of Iran was overthrown, Haile Selassie was overthrown, finally also Turkey changed it. Et dans les trois pays, il y a eu des grands changements, le renversement du Shah d'Iran, le renversement en Turquie et en Éthiopie aussi, le Négus a été renversé. The fourth pillar for the Israelis is that it is we have to combat any kind of democratic Arab nationalist and secularist movement by allying with the fundamentalist and Wahhabist line. La clé de la stratégie d'Israël, c'est que nous devons empêcher, Israël doit empêcher qu'il y ait des régimes démocratiques dans le monde arabe, et pour ça, on s'allie aux forces intégristes et réactionnaires comme les Saoud et d'autres. And of course, support them and weaken the most important Arab nations that they can cause a threat, Et like donc, Egypt and Syria and l'axe Iraq, of course. de la politique israélienne est de toujours affaiblir les pays arabes les plus puissants. Il y a eu l'Égypte, il y a eu l'Irak, il y a eu la Syrie et maintenant il y a l'Iran. Now, when we look since the war in Iraq and Afghanistan, the balance sheet that the neoconservative what they did. It had weakened the United States in the region rather than strengthening it. Et maintenant, quand on fait le bilan des guerres qui ont été menées après Bush et sous Obama aussi, contre l'Irak et l'Afghanistan, le bilan dit Mohamed, c'est que toutes ces guerres ont affaibli en fait la puissance des États-Unis. To give an example is that it is once is Afghanistan invaded and the Taliban was destroyed, without the Iranian support and Iranian diplomacy and so on support and bringing all Afghani forces. To create a new government in Afghanistan of Karzai, United States will not be able to create a government in Afghanistan. Et maintenant, quand on voit dans quelle situation se sont fourrés les États-Unis en Afghanistan, s'ils n'ont pas l'aide de l'Iran, ils sont incapables de mettre sur pied un gouvernement en Afghanistan. Which is, means that Iran have a very strong influence within Afghanistan. L'Iran a donc une très grande influence dans ce pays, linguistic, cultural and historical ties. de façon linguistique, culturelle et des liens géographiques aussi. Secondly, by attacking Iraq and overthrowing the Ba'athist government, En attaquant l'Irak et en renversant le gouvernement Ba'athiste de Saddam Hussein, handed over Iraq in a golden plate to Iran. ils ont tout simplement offert sur un plateau d'argent l'Irak à l'Iran. So Iraq is now is ruled by Iranian protégés. Et maintenant, ce sont des protégés de l'Iran qui gèrent, qui gouvernent en Irak. So any war against Iran means is what's going to happen to American troops and diplomats in Iraq. Alors voilà, si on a une guerre contre l'Iran, qu'est-ce qui va se passer en Irak et toute l'occupation militaire par les États-Unis? The same in Afghanistan. Afghanistan, pareil. Iranian influence in Central Asia and specific also in Azerbaijan is very strong. L'influence de l'Iran dans toute la région d'Asie centrale est aussi très très importante. Je vais montrer 2 secondes une carte aussi qui montre le Moyen-Orient. Et c'est pas exact, c'est pas la meilleure que je vous avais préparée. Je reviens à la caméra, je ne la trouve pas, mais on voit que non, on voit pas assez bien sur cette carte-là, mais effectivement, l'Iran touche à toute l'Asie centrale, l'Azerbaïdjan, il y a du pétrole, il y a du gaz sous la mer Caspienne, et donc Iran et Afghanistan, c'est vraiment un peu le carrefour par rapport à toutes ces régions stratégiques. Pardon pour l'absence de la carte. And finally, is that it is Iran relationship with Turkey, a trade relationship is very strong. Et d'autre part, la relation commerciale entre l'Iran et la Turquie est importante. And United States made a strategical mistake in Turkey Les États-Unis ont fait une grande erreur stratégique en Turquie by supporting the Golan movement and trying to overthrow the AKP leader Erdogan. en supportant le mouvement Gulen et en essayant de renverser l'AKP d'Erdogan. With the advice of Russian Federation, Putin and Iranians saved Erdogan.
Les conseils de la Russie et de l'Iran ont permis à Erdogan de se sauver du coup d'État. The relationship is becoming closer and closer. La relation entre eux devient bien meilleure, It's not only politically, but also economically. non seulement politique, mais économique aussi. Turkish vegetables and fruits and so on is sold now in Russian market. On vend beaucoup de fruits et d'autres produits turcs sur les marchés russes. Russia is building three nuclear reactors for electricity in Turkey. La Russie construit trois réacteurs nucléaires en Turquie. They are now making they are discussing a deal for a missile to buy from Russia. Ils sont en train de négocier l'achat de missiles russes. So all these countries will be involved in this problem. Donc, tous les pays de la région vont être impliqués dans ce problème, ce qui veut dire que faire la guerre devient de plus en plus compliqué pour Washington. Very much complicated. Then the final is that is China's role. What will be? Oui, c'est très très compliqué, d'autant plus que, dernier élément, quelle sera l'attitude de la Chine en cas de conflit? There were 20% of the oil is coming from there. 20% de, on le rappelle, 20% de son pétrole vient de là. And of course, Iran was invited also to the Shanghai group. Et l'Iran a été invité à adhérer à l'Organisation pour la coopération de Shanghai, deux mots pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est donc une alliance qui est née entre la Chine, la Russie et les petites républiques d'Asie centrale, à laquelle se sont joints petit à petit toute une série, presque toutes les puissances de l'Asie. C'est un cauchemar pour Kissinger, pour d'autres stratèges des États-Unis, que justement l'Asie est en train de leur échapper. Et une chose particulière, justement, que Mohamed signale, c'est que l'Iran était jusqu'à présent seulement l'observateur à l'OCS. Et maintenant, en mai, je pense, la Moscou a proposé que l'Iran devienne un membre à part entière. Donc c'est vraiment un changement des équilibres stratégiques. And plus that it is China is building what they call the two roads, the maritime road and the Silk Road, and Iran is one of the backbone of that road. Et bien entendu, la Chine est en train de construire deux grandes routes commerciales mondiales, la route de la soie, la route maritime, et l'Iran en est une des étapes majeures. La route de la soie, on en a déjà parlé dans des émissions de Michel Midi, ça se trouve dans certains de nos livres aussi pour ceux qui veulent creuser. Et effectivement, c'est un facteur décisif pour comprendre les changements des équilibres dans le monde. Indeed, yes, indeed. What I think is that it is the racist ruling class of United States, Europe, and Japan. They are not willing to accept the rise of China. Les classes dominantes aux États-Unis, en Europe et au Japon, qui sont racistes, n'acceptent pas la montée de la Chine comme puissance mondiale. And if United States go to war against China, surely they will be defeated. Et si les États-Unis vont à la guerre contre la Chine, certainement, ils seront défaits. Je voudrais, Mohamed, qu'on creuse un peu la question de Bolton et je vais me permettre de lire une ou deux citations qui vont éclairer de qui il s'agit. Bolton, je l'ai analysé dans un livre USA, Les 100 pires citations, que j'ai fabriqué pour vous donner des instruments pour comprendre toute la politique des États-Unis en se basant sur leurs propres déclarations de leurs dirigeants, comme ça on n'est plus accusé de complotisme puisqu'ils le disent eux-mêmes. Et John Bolton, là, c'est hashtag 73, 73 pour les Français, c'est vraiment un bandit. Écoutez ce qu'en 2002 il déclare. En 2002, donc, on est en train de préparer la guerre contre l'Irak. On cherche un prétexte. Les États-Unis ont dit ben, c'est parce que Saddam possède des armes de destruction massive, donc il faut l'attaquer, c'est un grand danger. Tout le monde dans le monde scientifique et de l'investigation sait que c'est faux, mais c'est quand même le prétexte qui va servir. Et John Bolton va jouer un rôle très très important à ce moment-là. Il était l'ambassadeur à l'ONU de George W. Bush, et il y avait l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, était présidée par José Boustany, directeur général, et il avait commandé des enquêtes en Irak. Le pays avait été sous contrôle pendant des années,
Et Boustany avait dit, voilà, il n'y a plus d'armes, il y en a eu, mais il n'y a plus d'armes de destruction massive en Irak, donc le prétexte de faire la guerre tombait. Qu'est-ce qu'il a fait John Bolton? Il est allé rendre visite à Boustany à son bureau et il lui a déclaré ceci, je cite, Cheney, le vice-président de Bush, veut que vous partiez. Vous avez 24 heures pour quitter l'organisation et si vous n'obéissez pas à la décision de Washington, nous avons des moyens de vous le faire payer. Nous savons où vivent vos enfants. Vous avez deux fils à New York. Ça, c'est vraiment des méthodes de gangsters, des méthodes de terroristes, et c'est ce bonhomme-là qui a été nommé pour faire la politique des États-Unis aujourd'hui. Et alors, il y a une autre citation intéressante, elle vient de Trump, vous voyez que j'ai des bonnes sources. Trump a déclaré « Si ça dépendait de John Bolton, nous serions dans quatre guerres aujourd'hui, Cuba, Iran, Corée, Venezuela. » Et donc, on a effectivement l'impression que Trump n'est pas tout à fait sur la même ligne que Bolton. Alors ma question est, pourquoi on a nommé Bolton? Est-ce que c'était vraiment le choix de Trump? Probably it is a segment of the Republicans and the most aggressive one to satisfy them is Bolton probably is nominated to make a balance. C'est probablement le secteur le plus dur, les faucons comme on dit, du Parti républicain qui a exigé Bolton pour faire un équilibre. And what you see is that the day before yesterday also the CIA declared that it is Osama bin Laden is not responsible for 11 September. Et vous avez vu récemment que la CIA a déclaré que Osama bin Laden n'était pas responsable du 11 septembre. Donc il y a beaucoup de divergences aux États-Unis. They excused to the family and they wanted to pay $10 million compensation. Et la CIA s'est excusée auprès de la famille de bin Laden et veut payer 10 millions de dollars de dommages. Ça c'est des nouvelles qu'on trouve pas dans nos médias. Parce que ça flanque par terre tout ce qu'on a raconté. Because on the basis of this lies that it is all the invasion was made, Afghanistan war and so on. I was very surprised that when I read this and the lady of the CIA when she mentioned this, I said it is very strange how the European public and the American public will react. They just treat them like chickens that they don't have memories and so on. And now yes, we were wrong. It was not Osama. It have nothing. His families are suffering. Ok, je vais traduire. Et donc, si je me souviens. J'étais très surpris, dit Mohamed, de voir cette information où la CIA aujourd'hui dit « Ah oui, c'est vrai, on s'est trompé, on va dédommager ». Or, toute la guerre contre l'Afghanistan et l'Irak a été basée sur ce mensonge. Et donc la question est de savoir si ils considèrent que le public ici en Europe, aux États-Unis, c'est comme des poulets sans tête, sans mémoire, qui courent n'importe où et qui se souviennent de rien. Et donc ça, c'est une remarque que je trouve personnellement importante parce que le travail qu'on fait avec InvestiAction, c'est justement qu'il y ait la mémoire, qu'on rappelle ce qu'ils ont dit et que les gens reçoivent des informations sur ce qu'on on leur cache. Oui. The second point is that probably is a contradiction within the system. So probably the CIA is telling the truth, which means that it will be very difficult to create another truth to wage a war against Iran, because it is such kind of declaration of the CIA, it destroyed the neoconservative theory. Alors voilà, ça montre que il y a de grandes tensions et divergences dans l'appareil de l'élite des États-Unis, parce que si la CIA est en train de flanquer par terre le prétexte pour une guerre, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de mal à la faire. Yes. Bien, on a, je crois, parcouru beaucoup d'éléments importants. Bolton fait partie, ça c'est une autre citation qui est dans le bouquin dont j'ai parlé, Bolton fait partie du MEMRI, et le MEMRI c'est un think tank extrêmement radical, raciste et militariste qui a poussé Bush déjà à attaquer l'Iran. Et ils ont notamment une citation que j'avais mise dans ce bouquin était de Norman Podhoretz, qui était donc qui joue un rôle essentiel dans ce think tank là. Et Podhoretz a déclaré, je cite, en 2002, donc pour pousser à une guerre généralisée,
Étant donné le pouvoir transformateur des grandes guerres sur les vainqueurs comme sur les vaincus, qui pourrait dire ce que nous serions amenés à faire à mesure que nous livrerons cette quatrième guerre mondiale. Quels qu'en soient les contours exacts, les pays musulmans en particulier et le monde en général seront très différents lorsque cette guerre sera finie, très différents et bien plus agréables pour la grande majorité des individus d'un bout à l'autre de la planète. Je crois qu'il veut dire surtout pour les multinationales des États-Unis. Et donc, le Memory est un think tank dans lequel Bolton a joué un rôle très important, Bremer aussi, qui était le premier gouverneur de l'Irak. Le Memory est très important parce que c'est la source de la pensée de Bernard-Henri Lévy et de gens du lobby sioniste en France comme Rudi Reichstadt et Caroline Fourest. Est-ce que ça veut dire que ces think tanks travaillent à manipuler l'opinion, à cacher l'histoire et à nous entraîner sur une troisième ou quatrième guerre, comme on veut, mondiale? Well, what it is just a speculation. I didn't read about it, but it is when, of course, there is an extreme Islamophobie in Europe. Bien sûr, il y a une très grande islamophobie en Europe. But simultaneously, also, there is a lot of false news and propaganda on China that it is Muslims are. In a bad condition, Chinese Muslim and so forth and so forth. So en même temps, il y a une très très grande propagande et fake news à propos de la Chine où on raconte notamment que les populations musulmanes sont maltraitées. I will not be surprised that one time all these medias will turn to be pro-Muslim and campaigning against China, that China is dominating the Muslims. It is et le Tibet. Probably because Tibet is okay. It have the largest water concentration in the world. But je ne serais pas surpris que tout d'un coup les médias européens deviennent pro-musulmans et pour attaquer la Chine. Et effectivement, le Tibet possède la plus grande réserve d'eau mondiale. In order to mobilize radical so-called Muslims mercenaries against China. Et donc, ils pourraient essayer de mobiliser à nouveau ce qu'on appelle entre guillemets des radicaux islamistes so contre have, la Chine. We have to be very careful and study very careful what are the strategies they want to do. Nous devons donc être très prudents et essayer, dit Mohamed, de comprendre quelles sont les stratégies qu'ils sont en train de mettre en œuvre. My understanding is that it will be a carbon copy of Japanese imperialism what they did in China. Et mon impression, c'est qu'ils vont faire un copier-coller de ce que la domination japonaise sur la Chine a été. By using the Manchurians as an step to enter and dominate China. En utilisant les Manchuriens comme intermédiaires pour dominer la Chine. As you know that it is almost 45% of the Chinese territory is inhabited by Han Chinese. How much? 45%. Il y a seulement 45% du territoire chinois qui est habité par des Han, donc l'ethnie majoritaire. And they are about 98%. Et les Arabes sont 98% of the population are Han Chinese. Et la population est 98%. And they live only in 45% of the territory. Et ils vivent seulement dans une partie limitée du territoire. And the 55% area, the people who are living there are minority nationalities. Et donc la zone de 55% du territoire est composée de minorités nationales. They are hoping that with the development of capitalism in China and so on, that Chinese Han Chinese will dominate the others and create nationality problem in China. Et donc ce qu'ils espèrent à l'ouest, c'est qu'avec le développement du capitalisme en Chine, les Han vont créer des problèmes pour les autres minorités. But the Chinese Communist Party recently have been very aware and start fighting against Han chauvinism. Mais récemment, le Parti communiste chinois a sonné l'alerte et a mis en garde contre le développement d'un nationalisme Han. And secondly, the nationalities parliament, which is the most important one. Now it is strengthened and under discussion openly. Is discussed that it is the strategy of the enemy is that to divide the Chinese people in the basis of ethnic or religion. Et maintenant, le Parlement des nationalités en Chine, qui est un organe extrêmement important, a discuté ouvertement quelle est la stratégie des Occidentaux
pour essayer de diviser, de semer la division en Chine. I'm sure that it is the Chinese policymakers they are studying all the strategy and the tactic of US imperialism, what they did in the past. Et je suis convaincu que les Chinois étudient très attentivement quelles ont été dans le passé les tactiques, les stratégies des impérialistes des États-Unis. But I'm sure that they will be defeated, China. Mais je pense qu'ils vont être vaincus. Je prends une ou deux questions parce qu'il y a énormément de questions et de commentaires. Ça ne va pas être possible de les prendre tous, mais on vous répondra un peu plus tard si possible. Anne, par exemple, qui commente, ils viennent de mettre la main sur le Soudan. On en avait justement parlé 2 minutes avant l'émission. Ils ont fini avec le Moyen-Orient et maintenant les États-Unis se focalisent sur l'Afrique pour faire la guerre à tous les dirigeants qui ne voudraient pas se soumettre. Le Cameroun, comme l'a fait la France par exemple. L'Africom, donc l'armée des États-Unis pour l'Afrique, s'y déploie de plus en plus, dit Anne. D'accord? Well, first of all, we have to adjust our perception of Africa. Africa is bigger than United States, China, India, Japan, Britain, Eastern Europe, Germany, France. All these countries, when you bring them, they are smaller, or Africa is bigger than that. So Africa. La première chose, dit Mohamed, c'est de modifier notre perception. L'Afrique est plus grande que tous les pays qu'il vient de citer, si vous avez bien suivi. So it is a very big continent. It's not very easy to swallow it. Continent énorme, très difficile à soumettre. Secondly, is Africa have more than 60% of world resources. Il a plus de 60% des ressources mondiales. And from this perspective, you have to read or listen to the imperialist medias that it is particularly in Europe, they dehumanize Africa, they don't talk about Africa, they marginalize Africa. Et donc, il faut de ce point de vue analyser comment les médias occidentaux décrivent l'Afrique d'une manière déshumanisée, méprisante pour les Africains. To give you one concrete, the former president of France, Chirac, one time he said that it is we are subsidized by 470 billion euros from Africa. Et donc, pour vous donner une idée, l'ancien président français Chirac disait un jour, nous, la France, nous sommes subventionnés par l'Afrique pour 470 millions. Milliards. D'accord. So he said, if this stops, imagine we are a very small country, what will happen to France? Donc voilà, qu'est-ce qui va arriver à la France comparé à tout ça? Je voudrais qu'on passe maintenant, parce que l'heure avance et c'est passionnant, mais je voudrais qu'on voit aussi quelles vont être les conséquences en Iran. Il y a quelques années, on avait Ahmadinejad au gouvernement en Iran, puis il a été remplacé par Rouhani, qui avait une ligne beaucoup plus conciliante envers les États-Unis. Est-ce que ça a donné des résultats et qu'est-ce qui va se passer pour la politique intérieure en Iran? It was a two-tactic strategy, imperialism, European imperialism and American imperialism used against Ahmadinejad. C'était une tactique à deux instruments. In alliance with the Zionist propaganda. Allié à la propagande sioniste contre... Ahmadinejad raised three fundamental questions. Ahmadinejad avait soulevé 3 questions importantes. One he touched, he said that it is why the Palestinians have to pay for what happened to the Jews who are massacred by... European fascists and Nazis. Premièrement, pourquoi est-ce que ce sont les Palestiniens qui doivent payer le prix, qui doivent supporter les frais du fait que les Juifs ont été persécutés par des fascistes et racistes européens? So Germany, in the First World War, it was an aggressor country. At the end, she paid a compensation, land and people to Belgium. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, qui était un des pays agresseurs, a dû payer des compensations, des dommages à la France et à la Belgique. By saying this, put him and the propaganda of the Zionist and the imperialist countries put him in the corner that he is anti-Semite. Alors, pour avoir dit ça, la propagande US et européenne a donné un bonnet d'âne à Ahmadinejad en disant qu'il était antisémite. Second, internally, he was in contradiction with the bazaar bourgeoisie, like Rafsanjani. En deuxième question importante, Ahmadinejad était en opposition à une autre classe sociale en Iran, qui est ce que Mohamed appelle la bourgeoisie bazar. And this bourgeoisie, the bazaar bourgeoisie, are the anchor of Khomeini state. Et cette classe
est l'ancrage principal, le support principal du régime de Khomeini en Iran. And of course, the bazaar is not paying properly the tax, and there is a lot of wealth under the bazaar. Et le problème est que cette bourgeoisie ne paye pas bien ses taxes alors qu'elle est très riche. And this also brought in contradiction with the bazaar bourgeoisie. Et voilà, ça a amené aussi une contradiction importante avec cette classe sociale. The third important point that it is Ahmadinejad, he wanted to be part of the anti-imperialist alliance et from troisième... Cuba to everybody. Who wants to be in that part. Et troisième contradiction majeure soulevée par Ahmadinejad, il voulait faire partie de la grande alliance anti-impérialiste allant depuis Cuba jusqu'à une série d'autres pays dans le monde. Je signale, parce qu'on ne va pas pouvoir creuser très très fort sur l'Iran, que dans le livre d'Investi-Action qu'on a publié, que Grégoire Lallieu et moi-même avons fait donc des entretiens avec Mohamed, ça s'appelle « La stratégie du chaos, impérialisme et islam », ça couvre toutes les régions où les États-Unis et l'Europe aussi avant se sont opposés aux pays arabes et musulmans, il y a un chapitre que je vous recommande, le chapitre Iran, oui là vous ne pouvez rien voir avec le reflet, mais je vous le lis, Iran se rapprochait des États-Unis ou former un bloc du Sud, et il y a une analyse des classes sociales et la bourgeoisie de bazar, et la différence avec la base sociale d'Ahmadinejad que nous avions déjà traité là, donc je vais vous renvoyer sur ce bouquin, parce que l'heure avance. Et on a donc eu une question très intéressante sur l'Afrique. Pablo qui dit les Ouïghours, parce que là c'est en relation avec l'utilisation des minorités par la CIA. Pablo dit les Ouïghours ont surtout la malchance d'être dans une région où Al-Qaïda massacre des centaines d'innocents avec le soutien des États-Unis. Le régime chinois réprime les islamistes et il a bien raison. De plus, la majorité des Chinois de confession musulmane n'ont aucun problème avec le régime, ceux du nord de la Chine par exemple. D'accord avec ce commentaire? That's correct, because it is in this war of Syria, there is about 13,000 Uyghur terrorists have participated in the war in Syria. Chinese intelligence have explained. Très bien. On a aussi une question sur l'Algérie. On sait qu'on est fort suivi en Algérie et c'est normal que vous avez beaucoup de questions de ce genre. J'ai fait un Michel Midi avec Saïd Bouamama. Je vous envoie au site Investigation pour le trouver. Il a publié un article chez nous aussi. Ahmed Ben Sada, qui est à Oran, nous a envoyé deux, trois très très bons articles sur justement les manœuvres des États-Unis et de la France pour essayer de tirer profit du mécontentement très légitime sur le manque de démocratie et sur la corruption, mais pour éviter que ça ne tourne dans une autre révolution comme en Libye, etc. Je voudrais encore revenir un instant à qu'est-ce qui va se passer en Iran. Est-ce que ça veut dire que maintenant, à cause de Bolton et de compagnie, l'Iran va devoir développer son programme militaire? Est-ce qu'on a un risque d'avoir une escalade nucléaire dans toute la région? Il y a les Saouds qui veulent les armes, la Turquie peut-être. Est-ce que ça va devenir une région très dangereuse pour la paix mondiale? I think it is also a propaganda. We have to see it in a broader sense. C'est une propagande, il faut le voir de façon plus large. First of all, the major project of the nuclear for electricity was built by United States for the Shah. C'est le nucléaire iranien, les infrastructures ont été construites par les États-Unis pour le Shah. Secondly, I don't think the Iranian concept of building and enlarging the they need huge electricity in order to save the energy and sell the energy to get hard currency. Les Iraniens, c'est pas tellement un but militaire qu'ils ont. En fait, ils doivent produire de l'électricité meilleur marché. C'est pour ça qu'ils ont besoin du nucléaire. As far as the nuclear capacity is, Israel have the most dominant in the region. It have more than 200 nuclear head. La plus grande capacité nucléaire dans la région, c'est Israël, plus de 200 têtes nucléaires. It's just a realistic propaganda just to black in Iran. I don't think that Iran is endangering anybody. Donc je pense que c'est une vraie propagande pour diaboliser l'Iran, c'est une propagande pour justifier une agression. Secondly is that it is for Saudi Arabia. Saudi Arabia have no national army. It is a ragtag of Wahhabist militia. L'Arabie Saoudite n'a pas d'armée nationale, c'est juste quelques milices
They just frighten them in order also to pay money for their armament. As we know that it is Saudi Arabia, one of the biggest purchasers of armament from Great Britain and the United States. Whenever there is a crisis in this country, Saudi Arabia comes and bails them out. N'oubliez pas que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, pardon, sont un des principaux clients, peut-être le principal, je ne sais pas, de l'industrie de l'armement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et chaque fois qu'il y a une crise dans ce pays, les Saouds viennent avec des chèques pour payer énormément d'armement. I think the best question to ask is to ask Louis Michel why he doesn't say there will be democracy in Saudi Arabia while he's in service of the Saudi House of Saud. La bonne question à poser, is it about Louis Michel or Charles Michel? Both, all the families Both. Are just... La vraie question à poser, là on est en Belgique, c'est pourquoi Charles Michel, qui est le premier ministre belge actuel, et son père, qui était commissaire européen et ministre des Affaires étrangères très longtemps, pourquoi ils ont une si bonne relation avec les Saouds et l'Arabie Saoudite? For my Belgian compatriot, I would advise them to read a book, the one who's responsible for Mossad. The title of the book is By Way of Deception. He is a Canadian. Later on became responsible for Mossad in Europe. You know what it is? Alors, je voudrais, pardon, je dois suivre pour traduire. Je voudrais à mes compatriotes demander de suggérer de lire un livre qui s'appelait Deception. By Way of Deception. By Way of Deception. It's in French and English. On vous donnera les coordonnées plus tard dans les posts Facebook. Il existe en français aussi, dans lequel il expliquait. And his main office is near to Gare du Nord. In the book he mentioned, he says that all Belgian prime ministers they were agents of Mossad. Il a expliqué que tous les premiers ministres belges ont été des agents du Mossad, donc des services secrets israéliens. To confirm that, it is when Van den Bunant, when he was kidnapped by gangsters. Van den Bunant, qui était le premier ministre, qui a été kidnappé dans les années 80, si je me souviens, par des gangsters. When they ask about 300 million Belgian francs to be paid as a ransom. Les ravisseurs ont demandé une rançon de 300 millions de francs belges, ce qui était énorme. Van den Bunant made one call. Only one call. Et Van den Bunant n'a eu qu'un coup de téléphone à donner. And that telephone was to Mossad. He himself in his book he mentions. Et lui-même, Van den Bunant, mentionne dans le livre qu'il a appelé le Mossad. So I wish Michel he invites this minister and ask them in Michel Midi. Ok, ça sera très amusant d'avoir Charles Michel dans Michel Midi, peut-être le 1er avril, mais on verra parce que, comme vous le savez, dans la télévision belge, on a une censure totale sur toutes ces questions internationales. Quand des gens disent qu'on ne peut pas faire la guerre à la Libye parce que c'est basé sur des médias mensonges et que ça va provoquer des catastrophes, eh bien, on est interdit de télévision. Mais regardez maintenant les conséquences au Liban. Donc, je crois qu'il y a des leçons intéressantes à tirer de ce que la guerre qu'on a faite contre la Libye, contre la Syrie, contre l'Irak et Ukraine, Venezuela, c'est des formes de guerre aussi. Les conséquences sont terribles, donc il faudrait vraiment poser des débats là-dessus. Et maintenant que la Belgique est en train de faire des négociations sur le programme des gouvernements, je pense qu'un point très très important qui avait été soulevé par quelqu'un d'écolo, c'est que la Belgique ne devrait plus pouvoir entrer en guerre sans que ce soit au moins discuté au Parlement. C'est bien, parce qu'avant les guerres ne se décident même pas au Parlement. Et deux, et plus important encore, moi j'ajouterais, il faut qu'il y ait une information correcte et contradictoire sur ces guerres. Quand à la télévision on nous dit « oui, il faut faire la guerre contre Kadhafi », ben voyez les conséquences aujourd'hui. « Oui, il faut faire la guerre à Saddam Hussein », vous voyez les conséquences aujourd'hui. Donc je crois que ça c'est une réflexion à tirer énormément. Et ma dernière question à Mohamed sera, si les gens qui nous écoutent veulent... je vois dans tous les commentaires, il y a beaucoup d'indignation par rapport au fait qu'on nous emmène dans des guerres qui servent des intérêts qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a même un petit peu du fatalisme et du découragement. Qu'est-ce que vous trouvez que les gens doivent faire pour défendre la paix? Peace is not a commodity. La paix, c'est pas... Peace happens... when the balance of forces in favor of peace. La paix, c'est quelque chose qui survient quand le rapport des forces est en faveur de la paix.
Peace always is broken by the aggressive imperialist forces. Et la paix, c'est toujours l'impérialisme agresseur qui la rompt. The, every time when they have crisis, they have to export war first to other areas, and finally that war, the chicken will come roasted home. Et chaque fois qu'ils ont une grande crise, ils ont besoin de l'exporter avec une guerre. In a situation when we don't have, we are all orphanage. We have no father and mother who can teach us and warn us and explain to us, discuss with us. We don't have now. Nous sommes orphelins, nous n'avons pas un papa et une maman qui peuvent nous expliquer et nous former. Because of that, it is a very difficult that there is no place where we can go and read and understand, because there is no vanguard which is leading us to know, understand what's going on around us and what's going on in the world. On n'a pas maintenant un endroit, une avant-garde où on peut aller s'informer sur ce qui se passe dans le monde. It is a very difficult topic to answer, but c'est très difficile de répondre à cette question. Probably sometimes with a very small possibilities we have, like Michel Midi and so on, we can discuss for a shortest period. Mais peut-être qu'avec quelques opportunités, quelques espaces comme Michel Midi, on peut discuter. Because our media and our education institutions and so on, they are not. Their objective is not to give us a clear idea, it is to confuse us and to bring us in demoralization. Parce que le but des médias n'est pas de nous permettre de comprendre les choses, mais au contraire de nous décourager. So I advise that it is, let's be all of us as an individual, the discipline and try, of course, to read also by itself. It's which book you will read. I mean, you have to be guided if you are a young man of 18, 20, if somebody doesn't guide you, doesn't give you the idea. The books are available in the universities. It is in the shelf, but they don't tell you which book you have to study. Alors, les livres, ils existent, mais si vous allez à l'université, on ne vous dit pas lesquels il faut prendre. And unfortunate that it is maybe through this discussion, by showing you the books and so on, if you can... If you can afford, because it is young people also now, they cannot afford buying books and so on. I wish that it is, there was a possibility, but use as much as possible the internet. Be careful. It is Wikipedia, it is their own. Sometimes they remove from that the most important element that you get confused. Un petit instant. Donc, Mohamed, tu sais... Essayez de trouver vous-même les bons livres à lire. Bien entendu, pour les jeunes, ce n'est pas toujours évident de pouvoir se les payer. Là-dessus, je vais faire un commentaire dans une seconde, si je m'en souviens, parce qu'on a une solution à ça, oui. Et cherchez aussi sur Internet. Another is that it is progressive journalists like Michel and his organization. They do their best. Maybe what they publish you can read, you can debate, you can come to their gatherings. Through there you can have the embryo of the thinking and then you can go further. Et donc avec des gens comme Michel et son équipe progressiste, il y a des livres, il y a des endroits où vous pouvez débattre avec eux et comme ça vous pouvez arriver à une meilleure compréhension. Merci Mohamed pour la petite coup de publicité, c'est bienvenu. C'est une bonne transition pour moi parce que j'allais vous annoncer le prochain Michel Midi qui est exceptionnellement cette semaine aussi, jeudi le 13, nous allons avoir Thomas Suarez parce qu'il vient, alors pour ceux qui habitent Bruxelles ou la Belgique ou le nord de la France, le plus simple c'est de venir sur l'affiche que je vais vous montrer. Les tabous d'Israël, c'est jeudi, c'est mercredi, pardon, c'est demain soir, avec Thomas Suarez, l'auteur du livre sur comment le terrorisme a créé Israël. C'est un livre d'histoire passionnant qui montre justement comment Israël est une puissance basée sur le terrorisme. Voici les détails de l'affiche. C'est donc demain à 19h à l'Horloge du Sud, 141 rue du Trône à Bruxelles. Sur le site InvestiAction, vous la trouvez aussi, je participerai à cette conférence. Le lendemain, j'aurai donc Thomas Suarez qui va venir dans Michel Midi exceptionnellement expliquer ça et parler de son bouquin qui est excellent. Et la transition
intéressante aussi, c'est que la semaine prochaine, ce sera le dernier Michel Midi de la saison, le mardi 18, et je comptais justement le consacrer au bouquin, au livre. Il y a une série de livres intéressants qui ont été publiés chez différents éditeurs en Belgique et en France. Je vais faire une petite revue des bouquins. Je vais vous parler aussi de quelques titres d'investigation qui sont intéressants. Je rappelle, par rapport à ce qu'on a discuté, la stratégie du chaos, qui est vraiment, on peut le dire, c'est un bon bouquin, parce qu'en fait, c'est plutôt Mohamed qui l'a écrit que nous. Nous, on a fait les interviews, Grégoire et moi. Et c'est vraiment fondamental pour comprendre toutes les régions dont on vient de parler. On a publié Le Monde selon Trump, analysant dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui risquait de se passer, et analysant justement la crise des États-Unis, expliquant Trump, analysant comment il tente de s'en sortir, et aussi les divergences au sein de l'élite. Je vous ai parlé de USA, les 100 pires citations. Ça, c'est aussi, tout ça, c'est évidemment une manière de financer les salaires des jeunes journalistes qui nous aident. On va lancer une campagne. Investigation, en fait, c'est 15 ans cette année en 2004. Investigation a été fondée en 2004 et on survit, mais on survit grâce à vous et on voudrait se développer. Et donc, inscrivez-vous à notre newsletter, regardez notre page Facebook. Vous allez recevoir une petite invitation à nous soutenir si vous le pouvez, parce qu'on aimerait non seulement survivre, mais se renforcer. Voilà les petites annonces que je voulais vous donner. Rendez-vous donc à jeudi midi avec Thomas Suarez et puis la semaine suivante. Soutenez-nous le plus possible. Nous avons aussi un journal papier maintenant qui est fait en commun avec Le Grand Soir et Victor Dédage, le meilleur sur papier pour ceux qui veulent le lire en papier. Je parlais de notre anniversaire, voilà le beau gâteau très appétissant, pas tout à fait diététique, qui nous a été concocté par notre artiste Joël. Le gâteau, c'est pour vous appeler à nous soutenir, et donc vous avez ici les différentes manières de nous payer par IBAN, par PayPal ou autrement. Le plus simple est de contacter Federica par l'email ou l'email qui s'affiche là-bas. Voilà comment vous pouvez soutenir la bataille de l'info, parce qu'on ne vous l'a jamais caché. On ne travaille pas pour l'argent, mais sans argent, on ne peut pas travailler. Et il faut absolument qu'on développe le travail pour faire face à toutes ces menaces de guerre. Mohamed, un tout grand merci. Je crois que ça a été passionnant comme chaque fois. Et j'espère qu'entre des si grands voyages, si utiles en Afrique, au Moyen-Orient, etc., pour défendre la paix là-bas, tu trouveras encore l'occasion de revenir un petit peu pour répondre aux nombreuses questions de nos lecteurs. Merci. Merci.